In this world, nobody's safe. Just like a sheep, we stand in place, awaiting death. The government feeds on our lives. You can't escape the truth. Okay. Je vous dis tout de suite. Là, on va. Je vais. Enfin, là, c'est la fin du game, comme on peut dire. Donc le truc, c'est que ça va. Tout ce qui va se passer là, c'est juste des scènes, c'est du RP. Vous savez même pas qui vous avez tué en fait. Pas énervé, d'accord. Vous avez tué qui? Comment ça, on a tué? Quoi? Oui. C'était sur une fusillade. Bah, c'est cette personne qui dit avoir tué un flic. Il sait même pas quand il l'a fait. Vous l'avez fait quand? Parce qu'il a décrit. Les gars. Donc je vous dis tout de suite, hein. Ouais. Tout ce qui va se passer maintenant, c'est RP, d'accord? C'est RP. Je vous dis. Ça fait pas longtemps que vous êtes en ville. D'accord? Qu'est-ce que vous essayez, lui? Qu'est-ce que vous essayez, lui? Ouh, clash! Oulala! D'accord, les gars? Tout ce qui va se passer maintenant, c'est RP. Donc, je vous demande s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il est passé la douane? Je vous demande s'il vous plaît, restez tranquille, d'accord? On va voir ce qui va se passer. Reculez, dernière fois. Et après, j'ai repassé la douane. Eh ben, oui, c'est là que tu casses toi. Eh ben, pourquoi tout ce temps tu m'as pas donné signe de vie? Hein? Pourquoi t'as pas essayé de discuter avec moi au lieu de vouloir me faire tomber? Ouais, comme au mariage? Comme tu m'as harcelé au mariage? Comme tu viens chez moi me dire ouais, tu ressembles à quelqu'un? Attends. Non, y'a pas d'attente là. Alors de un, tu te calmes. Non, je me calme pas. Je t'ai envoyé plusieurs messages pour prendre. Oh, le prochain qui bouge, je lui mets une balle. Calmez-vous. Un peu d'amour, merde. Moi, tu sais pourquoi je voulais que t'ailles en prison? Tu veux que je te le dise? Parce que je fais pas confiance au mec qui est derrière toi et un jour ou l'autre il t'aurait mis une balle dans la tête. Je préfère te savoir vivant. Et donc au lieu de me sauver la vie, tu veux me mettre en prison à cause soi-disant d'un mec qui est derrière moi, c'est ça? Donc des autres personnes qui sont des criminels, tu préfères et tout. Ah ouais, j'ai tué un flic. Ah bah j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir parce que j'ai pas un souvenir où j'ai tué un flic moi. Ouais, c'est moi qui l'ai tué en fait. Si tu t'en rappelles pas, tu sais, moi je vais te dire un truc, dans ton équipe, il y a que des corrompus, tu vois. Moi je te dis, on a été flics tous les deux, on est rentrés ensemble. Le truc c'est que moi j'ai compris que dans cette équipe, c'est de la merde. Ici à Los Santos, que des corrompus, tu vois. Et tu vois ton Aaron et ton Leroux, c'est des corrompus. Tu sais pas qu'ils s'y manigancent avec des organisations. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme plan. Et on sait beaucoup de choses. Moi je vais te dire un truc, tu vois, votre équipe. Oui, mon gars. Tiens. Si c'était pour ça, franchement, t'as pas besoin de me faire venir. Même pas besoin de venir avoir une sœur comme ça. Du crochet de l'aiguille. Les gars, c'est RP, hein. Est-ce que je pourrais parler à Madrigal? Est-ce que Madrigal est parmi vous? Moi, j'ai même pas envie de te regarder. Ok, ben, il t'a resté quoi? Madrigal! Peut-être qu'il est là, ouais. Attends, je vais l'amener pour lui dire c'est une scène tranquille. Il est sûrement là. Je te cherche. Instant. Madrigal. Bon, bah rentre, on n'a pas toute la soirée. Par contre, donc, j'ai pas le temps, donc bon. Ah bah nous, on va y aller là. Vous allez. Bon, si vous voulez pas parler. Ils sont où, leur crèche du sud? Bah, vous vous posez pas de questions. On peut pas vous parler. Voilà, vous dites que vous voulez parler à Madrigal, je sais pas quoi. Vous vouliez lui dire quoi en dernière volonté ou je sais pas quoi. Hein. Ah non, y a pas de dernière volonté, y a rien du tout. Hein. Ah. Vous vouliez lui dire quoi? Il dit que c'est Djibril. Parce qu'il m'a fait passer un message. Ouais. Il a dit qu'ici c'est sa ville et qu'en effet votre accord est rompu, mais n'empêche qu'il trouvera l'organisation Black Market également. Il a pas été rompu, il a été trahi. C'est pas la même chose. Dites-lui que c'est une pute. Du coup, D'accord, je lui dirai. Tu pars. Et dites aussi à Leroux et à Aaron que c'est des bons petits ripoux et que leurs potes ils sont morts. Fallait pas, peut-être pas toucher à la famille du LSPD. Vous avez fait le. J'ai fait la main. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. Ok. Et bah, sur ce. Je vous ai prévenu avant, c'était une scène. Bon séjour. Équipe de merde. Qui je suis vraiment. Ils savent pas, dans leur équipe, il y a que des traîtres dans leur équipe. T'as pas tout ce qu'ils font dans leur dos. Même avec ma tête, je vous suis. Allez, on raccompagne chacun des détenus. Après. Bon, du coup, ils sont pris en charge par. J'ai pas le temps de parler. Et n'oubliez pas. Ah, bah, c'est ma faute. Des petits ripoux. Ah, ça entendu, dites à Aaron et Leroux, s'il vous plaît, que c'est des petits ripoux. Ah, j'ai entendu. Vous inquiétez pas. Dites-lui au revoir. Allez, contre la porte. Bon. Je vous souhaite un bon dodo. Mais avec moi? Y'a plus de soucis. Très long, dodo. Monsieur Huck? Y'a plus de soucis. Monsieur Huck? Appelle-moi, appelle-moi boss, ouais, ou papa, ou ce que tu veux. Putain de merde. Bah, papa. Vas-y papa, fiston. Putain de merde.
Non, je pense que tout est dit. Maintenant, j'imagine qu'on n'aura pas le droit à un avocat ni rien, donc à quoi bon discuter? Bah oui. Les gars, c'est RP1, calme, calme. J'ai juste un seul truc à dire. Écoutez ça. Déterminé comme DiCaprio. Pa, pa, pa. Ça, il va mettre la musique après. C'est ça votre problème. Vous écoutez pas. Qui m'a parlé? Négatif. Ouais. J'aurais pu faire le mec mobile et tout. Après, je me dis, tu sais, quand t'es chassé, tu sais, en hélicoptère, tu vas pas t'amuser à trop bouger en voiture et tout, tu vois. Et comme par hasard, on était pas beaucoup ce soir. Du coup, j'ai dit, vas-y, fuck, je m'en fous, tu sais, je vais la jouer en mode chasse à l'homme, tu vois. Et puis, c'est le premier qui tira qui gagne, tu vois. Et, j'ai dit, sur mon lèvre, j'aurais dit, matin, avec Anas, on parlait. On disait que c'était même plus drôle en fait. Genre, clairement, non, en vérité, ouais. En fait, comme moi, comme je le dis, en fait, au moment où je commence mon rec, en fait, je dis, si aujourd'hui Dick meurt, c'est pas grave parce que en gros, on aura fait tout. Enfin, j'aurais fait tout ce que j'aurais voulu faire en fait dans avec un perso RP, tu vois. Genre vraiment, genre indique de la police, à un moment donné du côté des flics, à un moment donné du côté des bandits. On a fait de la drogue, on a eu El Chapo, on a eu des armes illégales. Ouais. On a tout fait en vérité, vraiment, on a tout fait. On a fait des prises d'otages, on a libéré un pote. Genre, après ça, tu veux faire quoi? Après, ça aurait été en fait RP cavale. Et comme j'ai dit, moi, je préfère. On posait encore la question hier avant-hier. Je préfère mourir soit sous les balles ou soit en fédéral, mais jamais genre attrapé, torturé et tout. Je trouve que c'est une belle fin, tu vois, genre. Carrément. Entre guillemets, mourir en prison, genre tous ensemble, tu vois. Je trouve que c'est une belle fin, tu vois. C'est ça, et puis en plus, clairement, on a mis une facette de nous en fait. Mon prochain perso pour voir justement. Dis pas! Non, mais ça va être du côté des. C'est en live! Ça va être du côté des trucs. Ah, même si c'est en live! Mais alors, j'avoue, au moins comme ça, ils sont préparés, tu vois. Non, regarde, parce que le truc, c'est que. Là, il reste. Enfin, on peut créer un perso dans une semaine si je me trompe, hein. Ouais, mais bon, je pense que je vais m'accorder un peu plus que ça, tu vois. Ouais, on va voir, je pense qu'on devrait qu'on fasse une petite pause. On verra de toute façon. Sur un autre serve. Non, mais de toute façon. En fait, si tu joues avec un autre serve et que tu joues le même personnage que t'as maintenant, tu vois, je sais pas, c'est comme si tu faisais une histoire. Il faut faire une pause, mais il y a un moment où il faut faire une pause en fait. Ouais, en fait, là, franchement, si on repasse directement là, on reprend un autre truc et tout, ça va être chaud, ouais. Faut attendre. Parce que franchement. On va faire une petite pause alors. Parce qu'il y aura pas de nouveautés, en plus, ça, on va arriver, on va savoir entre guillemets tout ce qui se passe et. Faut mieux attendre, laisser des nouveaux persos arriver, des nouvelles histoires et tout. Après, on peut en faire encore des choses. Enfin, il y a d'autres RP qui ont encore proposé qu'on aurait pu faire sur d'autres. Enfin, sur d'autres. Pas tous serveurs, mais. Non, mais tu vois, par exemple, il y a du RP qui peut être proposé. C'est pour ça que oui, on va faire là. Je pense que faire une petite pause, ça peut faire du bien, tu vois. Genre le fait de respirer un peu, d'arrêter de penser tout le temps RP. Même, tu vois. Ouais, même pour les gens, ça va être mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, on reviendra encore plus fort et on proposera du. Mais je trouve ça juste dommage en fait de pas avoir fait un semblant de jugement ou autre, tu vois. Genre ça a été expéditif non, en fait. On n'a pas eu droit à un avocat. Ils n'ont pas à vous juger. Ouais. C'est comme ça, repris de justice. Ça va direct prison. Ouais. Ok. Je suis désolé. Nas, t'as vu quand j'ai essayé de te sauver ou pas? Ouais, j'ai vu. Mais en fait. T'as mis une tête, non, c'est ça? Normalement, ouais, j'ai mis une tête. Et ce qui paraît, elle l'a prise dans le gilet. Non, elle est tombée instant. Ah bah oui, mais à ce qui paraît, elle l'a pris dans le gilet. Ah oui, dans une Et moi, je suis mort. Oui, non, mais frère, elle va bien. Elle va peut-être prendre un avertissement pour nos fears, mais Gino, il est mort RP instant. J'entendais balle dans le cœur, nanana, il va pas s'en sortir. Le médecin, il a même pas essayé de me voir, il a dit il est mort. J'ai mis une droite. J'ai mis une tête en plus, frère. McDom, calibre 50, fallait qu'il goûte, tu vois. Fallait que quelqu'un le goûte. Et frère, elle a pris une tête, elle est pas morte. Bon. Pas se foutre de la gueule du monde. Ouais. Non, mais après, voilà, même moi, je vous avoue, en fait, ces derniers jours. C'est pas que j'étais lassé, tu vois, mais genre. Reblotte. En fait, on a tout fait en vérité, on a tout fait. Du soulevage, là, il y avait que du soulevage à faire, c'est tout. On a tout fait, tu vois, et puis voilà, quoi. Genre, à un moment donné, il faut dire, ah, c'est bon, stop, il faut donner une fin. S'il n'y a pas de fin, en fait, tu peux pas apprécier, en fait, tu vois. Illégal. Vous avez fait tout illégal, mais.